Juste observer la lune, les étoiles, je trouve ça beau. L'espace en général, je trouve ça beau. Pas besoin d'être un expert en astronomie pour apprécier contempler le ciel. Ce vendredi 5 août avait lieu la Nuit des étoiles à l'observatoire de Valcourt. Cet événement annuel autour de l'espace permet de mettre sur la même orbite passionnés et simples curieux. Ça m'intéresse de savoir plein de trucs, mais de découvrir des choses qu'on ne connaît pas. Je m'allonge dans mon jardin et je regarde les étoiles. Je cherche les étoiles filantes. J'en repère une ou deux, mais vraiment pas du tout une professionnelle, quoi. Et justement, cet événement ouvert à tous se veut le plus accessible possible. Ça permet au public de venir rencontrer des passionnés d'astronomie pour regarder ce qui se passe dans le ciel tous les soirs et s'intéresser un petit peu aux particularités du ciel. Par exemple, le troisième vendredi du mois ou le premier vendredi du mois, c'est plutôt axé sur une chose, la Lune, un objet bien spécifique, une planète. Là, on décroche plus, on détaille plus, alors que là, tout le monde va un petit peu taper dans tous les coins pour apercevoir ce que c'est l'astronomie. Au programme, il y avait évidemment des observations du ciel étoilé grâce à de nombreux télescopes, mais bien d'autres animations étaient prévues, visite de la coupole et du planétarium, expositions et maquettes dédiées au système solaire et même des conférences. Les visiteurs, en quête de nouvelles connaissances, sont comblés. Typiquement le genre de conférences qu'on vient d'entendre sur les missions Apollo ou des choses comme ça, moi, je trouve ça génial parce que c'est des choses, si on n'est pas vraiment hyper intéressé, je ne me serais pas intéressée aux 15 missions qui viennent de se passer, ou 16. Par contre, là, on a vraiment découvert l'histoire, c'est génial, voilà. C'est très facile à écouter, à comprendre, super intéressant. C'est plus parce qu'il y a eu l'événement, après, c'est simple curiosité, le fait qu'on soit pas, qu'on habite à proximité en plus. C'est, je crois, un site qui est relativement connu et ça fait à peu près une trentaine d'années, je crois, que l'association est en place, donc voilà, c'était l'occasion. On n'est pas des grands fans, mais c'est l'occasion d'être à proximité. On va nous expliquer juste en arrivant, là, quand on a observé la Lune. Je pense que c'est enrichissant, c'est intéressant. Cet équilibre entre la précision de l'astronomie et l'émerveillement de l'espace aura fait mouche. C'est une véritable foule de curieux qui ont gravité autour des différentes animations, repartant des étoiles plein les yeux. C'est le premier vol habité depuis Apollo.